Cap Nord. C'était le premier objectif majeur de notre road trip. Un vrai mythe. Et il faut bien dire que la réalité rejoint totalement le mythe. Pour parvenir jusque là-haut, nous avons parcouru 3999,8 km. Même pas foutu d'en faire 4000. Nous, on a été très émus et totalement époustouflés par cet endroit unique. Alors on est heureux de partager avec vous nos images, prises à différents moments de la journée, jusqu'au soleil de minuit. Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you. I'm stuck in the blue. You value how I'm feeling. How do you have so much time? Been searching for a reason for why you'd love a chip design. Aren't you listening to me now? Screamed all my secrets. Why don't you leave then? Ooh. Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon?
exactly what to do. Did you fall out of that? Cap Nord, on a aussi été à Honning's Vague pour goûter le King's Crab, le crabe arctique. Un sacré morceau. Ooh, oh, is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. Et puis toujours sur l'île du Cap Nord, on a été voir les oiseaux, en particulier les macareux, et on est monté sur un beau bateau pour ça. C'était dans une ville qui s'appelle... on va pas la prononcer, on va plutôt l'écrire. Objectif majeur, c'est Senja, les Vesterålen et les Lofoten. Et pour y aller, on passera par Alta et Tromsø. Rendez-vous dans l'épisode 5 pour découvrir ces nouvelles étapes. Ciao, ciao.